que tout démon que tu ne combats pas, tout esprit que tu ne combats pas, tout démon que tu ne chasses pas de ta vie, attend patiemment d'être transféré aux générations futures par les liens de sang. Et ainsi tes enfants naissent, tu prétends les aimer. Oh, je vous aime mes enfants. Mais pourquoi si tu m'aimais, tu n'as pas renoncé au péché? Parce que Satan va te convaincre de ne pas obéir à Dieu. Parce que Satan ne veut pas seulement te contrôler, toi. Il veut contrôler ta postérité. Ainsi tes enfants naissent avec des malformations de caractère. Ne sais-tu pas que on transfère à nos enfants nos gènes et que les gènes enregistrent les informations? Les gènes enregistrent tout ce qui en toi devient une habitude et enregistré dans la mémoire de tes gènes. Et c'est ça qu'on transfère à notre postérité. Donc, il y a des enfants, on transfère. Les gènes sont porteurs d'informations concernant la couleur de peau, les yeux, les cheveux. Mais les gènes transfèrent et transportent également les informations sur le caractère. Quelqu'un naît et puis surtout avec des pulsions. Parce que c'est enregistré, ça a été transmis parmi les 21 de maman, les 21 de papa, les 42. Il y a des gènes de caractère souillés qu'on a transmis. Papa était adultère. L'enfant dès 8 ans, il aime déjà jouer le sexe et tout ça. Sans compter, il y a les démons qui rentrent par la chair, par le sang. Et puis maintenant, il y a la chair avec ses oppressions, ses passions et ses désirs. Même pas besoin de démons, rien que la chair toute seule. Laisse tomber. On n'a plus le temps pour critiquer, calomnier, médire les gens. Frère, on n'a plus le temps. Tu vas détruire ta vie, quel que soit. J'ai vu des gens qui avaient un gros potentiel. Leur langue les a tués. Jacques dit la langue là, un petit membre qui se vante de grands exploits. Il y avait des gens qui avaient du potentiel. Je les ai poussés à critiquer. Mais c'est parce que tu ne sais pas les conséquences. Parce qu'on ne t'a pas enseigné. Mais tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Tu as juste besoin de lire et d'obéir. Quand c'est écrit, obéis. Sans indignation, il n'y a pas de révélation. Quand tu n'es pas indigné, tu ne cherches pas Dieu. Dieu m'a dit, arrête de chercher, de me chercher pour toi. Arrête de combattre pour toi. Tu n'iras nulle part si le corps n'y va pas. Prie pour l'église. Combat pour l'église. Combat pour les saints. Enlève-moi. Enlève-je. Dis-nous, nous. Sinon, tes prières ne seront pas exaucées. Quand vous priez, dites notre Père. Il n'a pas dit mon Père, notre Père. C'est prier pour tous les saints. Arrose les autres, tu seras arrosé. L'arroseur sera arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même. Prends-moi Job 42, verset 10. Regarde. L'Éternel. Regarde, lis à haute voix. L'Éternel rétablit Job. On y va. Dans son premier état, quand Job eut prié pour ses. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait. Quand il eut prié pour ses amis. Tant qu'il priait pour lui, rien ne se passait. Dieu l'a rétabli. Quand il s'est défocalisé du moi, malgré sa souffrance, pour se focaliser sur autrui. C'est la compassion qui pousse Dieu à l'action. C'est la compassion qui pousse Dieu au miraculeux. Ce n'est pas la grandeur de ton titre, la grandeur de ton onction, la grandeur de l'homme de Dieu. Oh, je suis l'homme de Dieu. On s'en fout de l'homme de Dieu. On s'en fout de ton onction. On s'en fout de ton titre. On ne veut pas voir un grand homme de Dieu. On veut voir le Dieu de compassion. Parole qui est venue dans mon cœur hier. Les trois clés qui ouvrent les portes de l'impossible. Bien-aimé, tu vois, j'ai découvert qu'avec Dieu, ce n'est pas une question d'endroit. Quand je vais en Afrique, les gens se lamentent, les gens ont pitié de l'Europe. Ils ont pitié de la France. Ils disent, ah, la France est un cimetière. La France est le cimetière des églises, c'est tellement dur. La Belgique, oh là là. Ça, c'est ce qu'il disait hier, tu vois. Et
Et les gens trouvent normal, ils disent que, j'ai même écouté des prédicateurs, ils disent que dans leur église, Dieu ne fait pas beaucoup de miracles. Mais c'est quand ils vont en croisade qu'ils voient vraiment les miracles se manifester. Quelqu'un me suit? Même en Afrique, j'entends ça. Dans l'église locale, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand on va en croisade, il faut voir vraiment quand on va là-bas, les musulmans et tout ça. Là. Et puis moi, ça m'a toujours gêné. Ça m'a toujours gêné. Et je sais que ça, ce n'est pas une vérité établie, mais je sais que c'est une réalité. Mais la réalité, vous savez très bien avec moi, n'est pas la vérité. Rabbi, dis amen si tu me suis. Et j'ai constaté donc que les pasteurs sont résignés. En France, on dit, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de miracle, l'atmosphère est froide, la France est froide, l'Europe, ah, c'est l'antéchrist, le territoire, il va se manifester, tout ça là. Et puis moi, j'ai dit, mais Seigneur, mais si tu es Dieu, mais si tu es Dieu, il y a quelque chose, je ne sais pas. Moi, j'ai lu dans ma Bible, on n'a pas dit que les miracles, la manifestation de Dieu doit se faire en Afrique et pas en Europe. Je dis non. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Le problème, Jésus a dit, si vous ne voyez pas de miracle, vous ne croirez pas. Il y en a qui ont besoin pour croire de voir des miracles. Il y en a qui ont besoin pour croire d'entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Hein? La ville de Samarie s'est convertie. Ce n'est pas un miracle, c'est la qualité d'une parole. C'est la qualité de la prédication de Jésus qui a converti la ville de Samarie. Mais dans d'autres cas, comme à Génézareth, ce sont les miracles qui ont amené. Donc, il faut les miracles, il faut la parole. Mais pas la parole religieuse, la parole embrasée, la parole de feu. La parole qui vient de la démonstration d'Esprit Saint. La parole où quand quelqu'un écoute, il dit, mais mon cœur ne brûlait-il pas au-dedans de moi pendant qu'il m'expliquait les Écritures? Pas une parole de religieux. Alors, j'ai toujours dit, Seigneur, non. On doit te voir dans mon époque. On doit te voir dans ma génération. On doit te voir. Pourquoi les groupes politiques occultes, les réseaux ésotériques continueraient-ils de dire en Europe, où est donc leur Dieu? J'ai lu les Écritures et j'ai vu qu'à Suse, au temps des royaumes médo-perses, j'ai vu ce qui s'est passé à travers Mardoché et Esther pour tout le peuple juif et comment ils ont été délivrés. Dans un royaume idolâtre, où la plupart des gens n'étaient pas du tout convertis au Dieu d'Israël. Et ce livre d'Esther te montre comment, à cause de ce que Dieu a fait à travers Esther et Mardoché, des multitudes se sont converties au Dieu du peuple juif. Alors j'ai découvert que ce n'est pas une question d'endroit, c'est une question de personnes que Dieu cherche, qui comprennent dans leur époque, dans leur génération. Les réveils ne naissent jamais de manière accidentelle. Les réveils naissent toujours d'un peuple indigné qui en a ras-le-bol de voir Satan faire sa publicité. Et Satan, à quel moment il fait sa publicité? Satan fait sa publicité lorsqu'on parle de ses œuvres. Celui dont on parle le plus révèle celui qu'on rend populaire. Celui dont on parle le plus révèle celui dont on fait la publicité. Je n'ai pas entendu amen. À quel moment on parle de Satan? Mais quand on parle de cancer, quand on parle de diabète, quand on parle de sida, quand on parle de migraine, quand on parle de maladie mentale, quand on parle de dépression, quand on parle de troubles du comportement, lorsqu'on parle de maladies cardiovasculaires, de maladies infectieuses, de maladies de sang, de maladies de peau, lorsqu'on parle de maladies d'infirmité, c'est-à-dire des handicaps et de tourments, d'affliction, d'oppression démoniaque, plus on parle de ces choses-là, plus on est en train de parler de l'auteur de ces choses et il est content parce qu'on est en train de faire sa publicité. On ne fait pas exprès de faire sa publicité, mais celui dont on parle le plus révèle celui que les gens ont envie de connaître. Plus, si je te parle tout le temps de Cristiano Ronaldo, il y a des femmes qui ne connaissaient pas Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, mais à force de l'entendre parler, maintenant tu sais qui c'est. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne sait pas qui est Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce qu'on en parle. Mais il y a des joueurs dont on ne parle pas, que tu ne connais pas du tout. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas, c'est juste qu'on n'en parle pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors Satan est content quand on parle de ses œuvres. Parce que plus on parle de maladie, plus on parle d'infirmité, plus on parle de cancer, plus on parle de sorcellerie, plus on parle de vie bloquée, plus on parle de vie liée, plus on parle de gens qui à 40, 50, 40 ans ne s'est jamais marié. Une femme belle, un homme beau, il a une situation, mais il ne s'est jamais marié. Plus on en parle, plus on parle de gens qui ont été frappés, morts subites. Tu n'as pas idée du nombre de gens. Quelqu'un qui était bien soudainement, boum! Je connais des gens, il est parti.
Oh, j'ai tellement d'histoires. J'ai tellement d'histoires. Tellement d'histoires. Il y a des plaisanteurs. Non, mais moi, je ne connais pas. De toute façon, moi, je ne crois pas. Ouais, c'est ça, tu ne crois pas. On ne te parle pas de religion. Je parlais avec la dernière fois avec un couple. Là, un couple, j'ai rencontré. Ils me disent, oh, de toute façon, lui, il est athée. Elle est athée. Elle ne croit pas en Dieu. J'ai dit, ah, bon, tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu, mais je vais te dire une chose. On ne parle pas de religion. Parce que moi, je ne suis pas dans la religion. J'ai dit, non, moi, je ne te parle pas de religion. Je te parle de Dieu. Dieu n'est pas religieux. Dieu est un être spirituel. Je ne te parle pas de religion. Je te parle des réalités spirituelles. Parce que laisse-moi te dire une chose. Dans ce monde, même, tu es rempli de personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui savent que l'homme est un esprit et qui sont conscients des réalités spirituelles. Beyoncé, Rihanna. Rihanna que tu chantes, là, Beyoncé, je ne sais même pas c'est quoi ces chansons. Beyoncé avoue le secret de son succès qui lui donne la capacité de prêcher. Elle dit, va regarder sur internet, elle dit que sa force vient d'un démon, Sacha Fierce. Elle le dit. Quand l'esprit rentre en elle, quand elle rentre en scène, elle baisse comme ça, dès qu'elle l'ouvre, l'esprit la saisit et puis elle devient, on dirait, une diva. Elle le dit. Rihanna a dit aux jeunes filles, je crois que c'est à Saint-Domingue, elle a dit aux jeunes filles dans une école maternelle, ça fait une indignation dans l'île. Elle a dit, si votre Jésus ne marche pas, essayez Satan. Donc ces gens-là savent, ils connaissent les réalités spirituelles. On ne parle pas de religion. Dieu n'est pas religieux. Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Mais pourquoi Jésus introduirait une religion sur la terre alors que Satan n'a pas introduit une religion sur la terre? Tu connais la religion de Satan? Satan a introduit une nature appelée le péché, une culture appelée le monde. Il est à la tête d'un royaume appelé le royaume des ténèbres, contrôlé par des démons dont le but c'est d'égorger, dérober, détruire, affliger, tourmenter. Ma Bible dit dans 1 Jean 3 verset 8, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Alors explique-moi, si Satan est venu emmener un royaume des ténèbres, comment peux-tu croire que Jésus a mené une religion? Comment une religion pourrait-elle être le remède face à Satan? Non, aucune religion ne peut confronter Satan. Aucune religion ne confronte un démon. Aucune religion ne peut faire face à la sorcellerie. Aucune religion ne peut chasser un démon. Voilà pourquoi devant les démons, devant Satan, les religions parlent, c'est des beaux parleurs. Théologien à théologien, confronté. Les démons, on s'en fout. C'est la démonstration de puissance qui parle, là, qui doit parler. Tout le monde parle. Hein. Oh, nous, on croit que Mohamed, on croit que. Vous parlez trop, monsieur l'imam. Ah, moi, c'est comme ça que je fais. Monsieur l'imam, vous parlez trop. Emmenez des fous. Emmenez des gens qui ne dorment pas. Emmenez des gens qui sont oppressés. Emmenez des gens atteints de fibromes, de kystes, d'endométriose. Emmenez des gens atteints de maladies chroniques. Emmenez-les. Priez, invoquez votre Dieu. Moi, je vais invoquer Jésus et on va voir. Le Dieu qui répondra par le feu sera le seul vrai Dieu. Dis Amen. Écoute-moi. Chaque fois que je fais ça souvent. Hein. Chaque fois que je fais ça, les gars disent non. C'est-à-dire que non, mais moi, je dis non, tu parles trop. Emmène-moi les cas. Et je vais te dire une chose. Va prendre 3 jours avant de prier pour eux. Moi aussi, j'irai prendre 3 jours. À la fin des 3 jours, on verra qui répondra par le feu. On verra qui répondra. Comment? Dieu n'est pas religieux. Satan n'a pas introduit une religion. Pourquoi Jésus introduirait-il une religion? Non, la religion, c'est l'emballage dans lequel les hommes ont enfermé Dieu et ils ont présenté ça au monde. Dieu n'est pas dedans. L'emballage est vide. Les katabaracha. J'ai dit l'emballage est vide. Comment? Tu vois, les 3 clés, c'est quoi? Qui ouvrent les portes de l'impossible. Ce n'est pas une doctrine. Ah, c'est le fruit de l'expérience. Parce qu'il y a des choses, en tant que pasteur, j'ai enseigné hier. Et puis il y a des choses auxquelles j'ai été confronté. Il y a des situations et des montagnes que j'ai vues qui, malgré la sainteté, malgré une vie rangée, ne bougeaient pas. Au point que tu te demandes, mais où est donc Dieu? Il y a des choses, des situations où j'ai vu Satan. Pas vu en vision, mais je sais qu'il est. C'est-à-dire que tu sens qu'il se moque de toi, quoi. Tu pries, tu jeûnes. Et puis il se moque de toi. J'ai vu des gens, ils acceptaient Jésus. Chaque veille d'examen, il y a une voix qui lui dit, c'est pas la peine d'y aller, tu vas échouer. Il prie.
il prie. Il prie. Il va à l'examen, il échoue. Alors qu'il est brillant. Ce n'est pas la peine, tu vas échouer. Et puis quand même, quand il va à l'école, il y a des migraines qui le prennent, qui l'attaquent. J'ai tellement d'histoires. Une jeune fille à Pointe-Noire, dans notre église, elle est venue. Elle est venue parce qu'elle a toujours mal à la tête. Depuis qu'elle est rentrée à l'université, sa tête, depuis qu'elle, avant le bac, pas de problème. Mais quand elle est rentrée à l'université, l'enfer. Bon, toujours des migraines. Elle arrive à l'église, dans une atmosphère de prière intense. Ah, c'est là où il faut la présence manifeste de Dieu. Il ne faut pas la prière, il faut la prière qui produit la présence manifeste de Dieu. On en a assez de la prière juste pour prier où il n'y a rien qui se passe, bien aimé. On rentre comme on est, on sort comme, oh non Seigneur. Oh, nous voulons la prière où la présence de Dieu est manifeste. Nous voulons la prière où le juste juge est dans la place, où le rétributeur des méchants est dans la place. Nous voulons la prière où Jésus, tu te manifestes par ton esprit pour faire le bien et libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Voulons voir la prière où tu es là. Et où quand tu es là, c'est toi qui fais ta publicité. Ce n'est pas Satan. Tu sais comment Jésus fait sa publicité? En manifestant ses œuvres. À la place de la maladie, la guérison. Là maintenant, on ne parle plus de la maladie, on parle du guérisseur. C'est ça, c'est comme ça que Jésus fait sa publicité. On parlait de tourments, de souffrance. La personne dit, je suis venu, j'étais mal, j'avais mal ci, j'avais mal là. Je suis sorti, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Soudainement, tout va bien, je vais bien. Waouh, ça c'est la publicité de Jésus. Je déclare et je décrète qu'on fera la publicité de Jésus ici. Donne-moi un meilleur amen. La jeune fille à Pointe-Noire, la présence de Dieu est là. L'esprit se manifeste, il parle par sa bouche. Et puis quand on dit à l'esprit, sort. Il dit, non, elle est à moi. Bon. Karamashatala. Elle est en moi. En bon. Et tu sais ce que l'esprit dit? Elle se prend pour qui? Personne dans sa famille n'a dépassé le cap du baccalauréat. Son père est taxi. Taxi en Afrique, c'est pas taxi comme ici. Hein? Taxi en Afrique, tu gagnes même pas 150 euros, même pas 100 euros. C'est un métier pauvre. Son père n'est pas allé loin. Ses frères et soeurs ne sont pas allés loin. Ils n'ont pas fait des études. Parce qu'on nous a donné leur intelligence pour pas qu'ils excellent, ils brillent dans la vie. Elle veut montrer quoi? Elle a osé essayer d'aller à l'université. C'était un affront. Elle est censée rester là. On a mis une limitation sur elle. Tant qu'elle reste en dessous, derrière la barrière, il n'y a pas de souci. J'aurais franchi le cap. Pouf. Riposte. Moi, j'ai une de mes filles à l'église, mais une fille qui aime Dieu. Une fille que j'aime tellement. C'est son cas fait partie des cas qui m'ont tellement indigné que je suis allé pendant 3 jours dans le lieu secret en colère. J'ai dit non. Une fille consacrée, leader, intègre, embrasé, engagé, tout ce que tu veux. Juste parce qu'elle a eu une promotion, c'est comme s'il y avait une limitation qui avait été fixée sur elle. Dès qu'elle a eu la promotion au travail, dès qu'elle a commencé à avoir certaines grâces, opportunités, pouf, une maladie s'est déclenchée, endométriose. Tu connais l'endométriose? Terrible. Les femmes qui ont ça, c'est terrible. Elle souffrait au moins 3 semaines sur 4 chaque mois. Elle m'a expliqué comment elle était parfois, elle a eu un nouveau travail, ça lui a causé des problèmes. Elle prend le nouveau travail, elle n'arrive même pas à travailler. Elle est remplie de peur. Elle doit prendre des cachets de Doliprane toutes les 3 heures pour atténuer la douleur. Le problème, c'est que ça te détruit le foie.
souffrance. Parfois, elle va s'enfermer dans la salle de réunion et puis elle est allongée, tordue de douleur, en train de pleurer. Une chrétienne née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, qui chasse les démons et qui aime sincèrement Dieu et qui ne vit pas dans le péché. Elle est tordue de douleur, en train de pleurer. De pleurer de douleur. En train de crier à Dieu. Mais le fait de crier à Dieu, la douleur est toujours là. Quand elle m'a raconté son cas, j'ai dit non. J'ai dit à Dieu, c'est quoi ça? J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? J'ai dit non. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Sans compter celle qui avait des... Elle marche dans la sainteté. Elle est mariée depuis plus de 8 ans, 10 ans. Pas d'enfant. Mais encore si c'était que ça. Non seulement elle n'a pas d'enfant. Elle n'ovule pas. Elle n'a pas ses menstrues. Mais en plus, son utérus est bourré de fibromes au point qu'on ne voit pas l'utérus. Et elle va faire les derniers examens. On lui dit qu'on a trouvé, parmi tous les fibromes, il y en a un qui a plus de 12 centimètres. Je dis non. Je dis mais non, Seigneur, c'est quoi ça? Il y a déjà suffisamment de cas que je connais qui souffrent. C'est quoi? Et tu sais, je suis allé, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, ah non, Dieu, non, non. J'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça m'a mis en colère, j'ai dit non. Tu vois, quand tu n'es pas indigné, tu ne vas pas crier à Dieu. J'ai dit non, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Non. Les démons se moquent des églises, ils se moquent des chrétiens, ils mettent des barrières, ils affligent et ils tourmentent. Ah, oh non. Et quand je suis allé prier, Dieu m'a parlé. C'est pour ça que je dis, il y a des choses. Au-delà de ce qu'on disait hier, l'expérience du ministère t'a fait découvrir des choses où tu es obligé de dire. On va arrêter de dire des récitations qu'on a entendues. On va maintenant chercher la révélation pour que Dieu parle. On va arrêter de sortir les théories. Oui, la théorie, je la connais, la théorie. La théorie, c'est par ces matrices, j'ai été guéri, je le sais. Mais pourquoi je transporte cette maladie, bon sang? Pourquoi? Je suis saint, saint, saint. Pourquoi je transporte ça? Il faut arrêter de faire semblant. Dans l'église, beaucoup de gens font semblant. On met le maquillage physique et puis on met le maquillage spirituel. Mais à l'intérieur, à la maison, ce sont des hémorragies, ce sont des frustrations, ce sont des larmes derrière les mascaras. Mais on ne peut pas montrer ça. On ne peut pas montrer. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Et tu vois, chez moi, j'ai reçu du Saint-Esprit des révélations. Les gens m'envoient du monde entier des messages pour me dire, on n'a jamais entendu le genre de message que vous annoncez. Vous, c'est, pasteur, c'est quoi votre secret? Le secret, c'est l'indignation, la frustration qui m'emmène à me réfugier, à dire non, non. Ils disent que tu n'agis qu'en Afrique. Ils disent que tu n'agis qu'en Asie. Je dis non, ce n'est pas vrai. Ma Bible dit que tu ne fais pas de favoritisme. Hein. Ma Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Je suis désolé. Ça ne peut pas être une question de pays. J'ai vu ce que tu as fait avec Joseph en Égypte. J'ai vu ce que tu as fait avec Daniel. J'ai vu ce que tu as fait avec Mardoché. J'ai vu ce que tu as fait avec Paul, avec Pierre. J'ai vu ce que tu as fait dans des contrées païennes et idolâtres. J'ai vu comment il y a des territoires où on peut dire que le ciel a impacté la terre à un moment donné. J'ai dit, Seigneur, qu'on dise ça de mon époque et de ma génération. Pas qu'on dise qu'il y a eu Castanou, non. Mais qu'il y a le ciel a impacté la terre et que le ciel a été constaté. Jésus a été attesté et constaté de son vivant. Tellement d'histoires comme ça qui m'ont indigné. J'ai dit non. Et c'est quand on est allé crier à Dieu, je suis allé crier à Dieu. Pouf, la révélation est venue. Et il m'a dit plein de choses. Il m'a dit plein de choses. Et ce sont ces choses-là que j'enseigne depuis plusieurs mois. Donc si tu veux comprendre ces choses-là, je ne vais pas les résumer ici. Là, prends le temps d'écouter la voix prophétique, apostolique qui parle là, même si tu es dans ton église locale, quelle que soit ton église. Mon ami, je ne suis pas un don pour l'église locale. Moi, je suis là pour le corps de Christ. Je ne suis pas. Dieu ne m'a pas suscité pour une église locale. C'est pas vrai. Non. Dieu ne m'a pas suscité pour un pacte sans chrétien. Dieu m'a suscité pour le corps de Christ à la francophonie et au-delà de la francophonie. Et quand il m'a parlé, il m'a dit, si le berger de la bergerie ne se met pas en colère
contre les loups, contre les serpents qui rentrent pour déchirer le troupeau. Si le berger n'est pas indigné, je ne peux rien faire. Moi, pour agir, j'ai besoin d'une porte d'entrée. Je suis en colère, me dit le Seigneur. Mais si quelqu'un ne reçoit pas, j'ai besoin d'un correspondant sur terre. J'ai besoin d'un correspondant dans le monde visible qui entend ma colère dans l'invisible et qui décide de se lever dans le visible et de me laisser rugir à travers lui. Amen. Me dit, si tu ne t'indignes pas, il va continuer de faire ses œuvres. Et ce jour-là, la madame m'a parlé. Il m'a dit, attaque le serpent ancien. Attaque le grand dragon, c'est lui, le grand dragon, c'est celui qui engloutit les vies. Il avale les destinées, il avale les mariages, il avale les potentiels, il avale les intelligences. On l'appelle le grand dragon parce qu'il avale et puis il garde ça en lui. Et puis après, il m'a parlé du serpent ancien. Il m'a dit, lui, il étouffe les gens et il mord les gens. Et il mord les émotions, il mord la santé, il mord les organes, il mord le système immunitaire et le serpent, c'est celui qui mord. Et puis après, il m'a parlé du diable. En grec, c'est le diabolos. Ça veut dire le calomniateur. Et lui, c'est un menteur. Il m'a dit, il ment à ton système immunitaire. Il ment à tes organes. Le corps, soudainement, s'emballe. Le corps commence à combattre le corps. Le sang combat le sang. Parce que le corps reçoit des informations comme quoi il est attaqué alors qu'il n'y a rien. Alors, il crée des maladies auto-immunes. Des maladies où le corps attaque le corps. Mais c'est quoi ça? Et quand tu vas voir les médecins, ils te disent en fait, votre système réagit comme s'il était attaqué. Il est attaqué par qui? C'est la corruption. Il reçoit une information mensongère qui lui dit, tu es attaqué. Et du coup, il commence à fabriquer. Et, oh, est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, c'est l'œuvre du menteur. Il ment aux émotions. Dieu te dit, je t'aime. Mais lui, il te dit, non, ton papa t'a rejeté, ta maman t'a rejeté, personne ne t'aime. Et puis, donc, il ment aux émotions et il fait croire aux gens que ce qui est mensonge est... La vérité, on l'appelle le diable, calomniateur, menteur, diabolos. Puis après, il m'a parlé de l'adversaire. Satan, ça veut dire l'adversaire. Celui qui se dresse, il se met devant toi. Il dit, tu ne passeras pas, tu es à moi. On avait dit ça sur ta vie. On avait des projets de malheur et de destruction et de limitation. On avait pour toi des projets. On comptait faire de toi une prostituée. On comptait utiliser ton intelligence pour briller nous dans le monde. Et toi, tu restes pauvre. Oh, il y a des pactes, il y a des... paroles qui ont été prononcées avant ta naissance. Il y a des paroles, il y a des actes qui ont été signés. Les ancêtres t'ont livré à moi. Ils t'ont livré à nous. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu as été sanctifié, mis à part avant ta naissance. Lorsque tes parents pratiquaient la sorcellerie, lorsqu'ils adoraient des esprits méchants, ils ne savaient pas. Il y en a qui savaient, il y en a qui ne savaient pas. Mais ils ont livré leur famille, ils ont livré leur postérité. Alors tu viens au monde et tu es confronté à des batailles que tu n'as pas choisies. Qui a fait ça? L'adversaire, Satan, l'esprit de sorcellerie. Il te contrôle, il bloque ton mariage, il bloque ton foyer, il bloque ta santé. Il te bloque, il te dit je te tiens, il t'enferme dans une prison. Il dit tu ne vas nulle part. Quand tu veux aller, je suis là, tu ne passes pas. Dieu m'a dit, fais la guerre aux quatre. Il m'a montré comment faire. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'étais tellement furieux. Ma vie de prière est passée de 2 heures en moyenne à plus de 4 heures par nuit. Il m'a dit, prie la nuit. Quand j'ai commencé à prier comme ça, il m'a dit, prie. Et quand je suis sorti de là, de ma retraite, il m'a dit, maintenant, va. J'étais tellement en colère. J'ai appelé la soeur qui avait des fibromes partout. J'ai dit, toi, viens. On commence par toi. Je lui dis, ma soeur, ton cas se règle aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Il dit, ton cas se règle aujourd'hui. Assez, c'est assez. Ta vie change aujourd'hui. Et j'ai prié. Hein? Je n'ai même pas prié, j'ai parlé. J'étais assis, j'ai commencé à parler. J'ai dit, Père, merci. J'ai commencé à louer Dieu pour le sang de Jésus. J'ai dit, aujourd'hui, le sang va parler. Aïe, aïe, aïe. Ton sang va parler, Seigneur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et j'ai dit, toi, qui es assis sur la vie de cette femme, malgré ses cris, tu l'affliges, tu la fais souffrir, tu as mis des fibromes, tu as mis la stérilité. Et en fait, la vérité sur cette sœur, c'est que l'utérus est en place,
Mais spirituellement, il n'y a pas d'utérus. On lui a enterré son utérus. Elle peut avoir autant. Elle est mariée. Elle peut faire ce qu'elle veut avec son mari. S'il n'y a pas d'utérus, il n'y a pas de fécondation. L'utérus a été volé. Alors Jésus me dit, toi qui as volé son utérus, là où tu l'as enterré, je le déterre au nom de Jésus. Je le remets à sa place au nom de Jésus. Écoute-moi. Jésus me dit, là où tu as enterré, je le déterre. Et toi qui étais assis, tu as mordu ces parties génitales. C'est ça qui cause des fibromes. Ça gonfle, ça gonfle. Ce sont les filles des morsures. Toi et tes morsures maintenant. Oh non. Tu vois, mais quand je priais, ce qui s'est passé, quand je priais, je ne me sentais pas, tu vois, le grand homme de Dieu. Non. Non. J'avais une compassion qui a produit en moi une colère. Et j'ai découvert, le Seigneur m'a dit, tu vois, quand tu vas lire, quand tu lis les Écritures, tu ne vas pas voir. Tu vas souvent lire Jésus ému de compassion. C'est la compassion qui pousse Dieu à l'action. C'est la compassion qui pousse Dieu au miraculeux. Ce n'est pas la grandeur de ton titre, la grandeur de ton onction, la grandeur de l'homme de Dieu. Oh, je suis l'homme de Dieu. On s'en fout de l'homme de Dieu. On s'en fout de ton onction. On s'en fout de ton titre. On ne veut pas voir un grand homme de Dieu. On veut voir le Dieu de compassion. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, pendant que je suis en train de prier pour elle, je sens une compassion mais qui me met en colère. Et à un moment donné, je dis, mais comment peux-tu être aussi méchant? Libère-la maintenant! L'esprit a crié, ah! Elle est tombée par terre. Elle a commencé à vomir. Je lui ai dit, mon gars, c'est aujourd'hui que tu vas partir. Je vais te dire, tu ne sois, tu vas pas partir après minuit. Tu vas sortir maintenant. Ramachata la ramos. Le dimanche suivant, j'ai pris l'autre. Parce que je ne peux pas le faire tout le temps. J'ai pris l'autre, celle qui avait l'endométriose là. Ma fille. Hey, ma fille. Hey, tiens, 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 tiens. Comment tu attaques ma fille bien-aimée? Toi, comment tu vas attaquer ma fille? Autant cava sur l'église aujourd'hui. Tu dis, démon, l'endométriose, je ne sais pas comment. Tu dis, cette endométriose va s'arrêter aujourd'hui. Ces douleurs-là vont partir, pas tout à l'heure, aujourd'hui. Amen. Tu vois, ça s'est passé en novembre. En partir de novembre, le Seigneur n'a fait que me conduire. C'est ça qui a mené au 21 jours plus 1, une dimension de puissance que je n'avais jamais vue. En Europe, en France, à la capitale de la francophonie, les gens étaient, des milliers de personnes étaient connectées à travers le monde. Si je te faisais écouter les audios que j'ai écoutés, une dame connectée depuis le Cameroun, en direct, qui dit qu'elle souffrait depuis combien d'années, Stéphane? Je ne sais plus, la dame qui avait le message de Douala, là, depuis plus de 15 ans, 20 ans, une femme convertie, mais qui souffrait. Elle dit comment elle était connectée en direct. En direct ou en différé, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la parole qui est envoyée et qui est reçue. Cette femme m'explique comment connecter. Comment elle dit, elle sent quelque chose sortir de ses parties génitales. Elle a une douleur terrible, elle sent quelque chose sortir. Oh, la douleur qu'elle avait depuis plus de 20 ans a disparu. J'en ai pas une. J'ai des multitudes. Une autre sœur qui est à l'église, qui habite à Chelles. On a prié le vendredi soir. Le samedi, il ne s'est rien passé. On a fait l'onction d'huile. Le samedi matin, elle a 4 enfants. Elle a une douleur qui est tellement incroyable. Comme si elle était en train d'enfanter. Comme les douleurs de l'enfantement, comme si elle sent qu'elle va accoucher alors qu'elle n'est pas enceinte. Alors elle a tellement mal qu'elle va aux urgences avec une autre sœur. Elle va aux urgences et pendant qu'elle attend aux urgences, elle a mal. Elle sent comme si quelque chose va sortir d'elle, on dirait un enfant. Et à un moment donné, elle n'arrive pas à tenir, elle n'en peut plus. Elle court aux toilettes et quand elle court aux toilettes, boum, c'est une diarrhée liquide terrible. Et quand elle se lève, tout est fini. Toutes les douleurs qu'elle ressentait au niveau du bas-ventre se sont arrêtés instantanément ce jour-là. Je ne sais pas avec quoi tu es venu comme affliction, comme tourment, comme oppression. Mais bien aimé, si tu arrives à connecter ta foi à cette parole, je te dis que ton cas sera réglé aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ton amen. Sans indignation, il n'y a pas de révélation. Quand tu n'es pas indigné, tu ne cherches pas Dieu. Dieu m'a dit, arrête de chercher, de me chercher pour toi. Arrête de combattre pour toi. Tu n'iras nulle part si le corps n'y va pas. Prie pour l'église.
combat pour l'église, combat pour les saints. Enlève-moi, enlève-je. Dis-nous, nous, nous, nous. Sinon, tes prières ne seront pas exaucées. Quand vous priez, dites notre Père. Il n'a pas dit mon Père, notre Père. C'est prier pour tous les saints. Arrose les autres, tu seras arrosé. L'arroseur sera arrosé. Tu vois, donc, au-delà de ce qu'on disait hier, il y a des expériences, il y a des vécus qui nous ont obligés à nous remettre en cause et à venir devant Dieu, à crier à Dieu, dire Seigneur, non, nous t'implorons. Alors j'ai découvert trois clés. Il m'a montré ça. Mais tu vois, je ne suis pas en train d'enseigner. Là, je suis en train de parler. Dis Amen. Amen. Donc, je ne vais pas te les développer. J'ai déjà enseigné dessus. Mais bien aimé, ces trois-là, j'ai découvert, quel que soit, maintenant je sais. Non, maintenant. Hier, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Pourquoi? Parce que ce sont des clés éprouvées. Je les ai appliquées. Mais pas moi. Moi, je suis le Josué qui conduit le peuple. Mais Josué ne peut pas aller terrasser des géants à Canaan. Josué, son job, le pasteur Josué, c'est de lever une armée d'indignés. Une armée d'hommes et de femmes qui disent assez, c'est assez. On a assez tourné dans le désert. Satan s'est assez moqué de nous. Il s'est assis sur nos vies, sur nos santé, sur nos destinées, sur la vie de nos enfants. Il se moque de nos familles. L'esprit de sorcellerie va quitter ma famille. Il va quitter. Aïe, 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 aïe. Ma famille sera sauvée. Je n'ai pas entendu. Je parle pour moi. Je vais te dire, hein. Toutes les puissances de sorcellerie, d'incrédulité, d'athéisme, d'humanisme qui sont assises sur ma famille, je ne sais pas pour toi, mais il y a un indigné qui a dit, votre temps est compté. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais vous allez déguerpir de ma famille. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mes enfants seront disciples de Jésus. Toute ma famille. Il n'y a personne dans ma famille qui ira en enfer. Il n'y a personne. Tous les gens qui... Toute voix qui appelait la mort dans ma famille va mourir cette année. Je te dis. Si ça résiste, si tu crois cette parole, elle s'accomplit cette année dans ta vie. Comment? Comment? Il n'y aura... Je peux te dire ce qui va se passer. Ça ne sera pas le fruit d'un accident. Assez, c'est assez. Trop de maladies. Je dis, c'est quoi ça? Un tel malade, un tel malade, un tel malade. Ça s'arrête now. C'est l'indigne. Dieu a besoin de gens qui sont en colère. Il y a trop de chrétiens passoires, mous. Oh mon Dieu, pourquoi? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Dieu n'est pas l'auteur de ton affliction. Un seul est l'auteur de l'affliction. Il s'appelle le diable. Satan. Son rôle, c'est d'égorger, dérober, détruire. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a rien à voir. On le blâme, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Moi-même, je faisais ça. Jusqu'à ce qu'il me dise, si tu veux que j'agisse dans ta vie, détourne-toi de tes propres besoins. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dis à deux personnes, sois indigné. C'est ça. Regarde, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même. Prends-moi Job 42, verset 10. Regarde. L'éternel, regarde, lis à haute voix, lis à haute voix, lis à haute voix. L'éternel rétablit Job, on y va, dans son premier état, quand Job eut prié pour ses... Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait. Quand? Quand il eut prié pour ses amis. Tant qu'il priait pour lui, rien ne se passait. Dieu l'a rétabli quand il s'est défocalisé du moi, malgré sa souffrance, pour se focaliser sur autrui. C'est des choses que je ne savais pas. Le Saint-Esprit a commencé à me les enseigner. Et je les ai enseignées à l'église. Et j'ai emmené l'église à comprendre la première clé. Dis avec moi la première. La première clé sans laquelle les autres ne marchent pas. Les gens veulent commencer par la prière.
Mais il a passé toute l'année 2018 à m'enseigner. Et alors qu'il m'enseignait, moi j'enseignais l'église sur la première clé. Mais j'avoue une chose, bien aimée, quand il m'expliquait ces choses-là sur la première clé, merci Arnaud, quand il m'expliquait les choses sur la première clé, je ne savais pas où il allait. Parce que quand le Saint-Esprit m'enseigne, tu ne sais pas où il t'emmène, mais il t'emmène quelque part. J'ai pas entendu. Mais je ne sais pas où il m'a mené. Il a passé des mois à me parler de la première clé. C'était laquelle? L'obéissance. La Bible dit dans le Proverbe 28 au verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tu vois, il m'a fait comprendre que tant que tu ne m'obéis pas, ce n'est pas moi qui parle, il parlait à l'église. Tant que vous ne m'obéissez pas, tant que vous ne m'obéissez pas, vous ne me donnez pas le pouvoir de changer vos vies. Il faut me faire confiance et m'obéir. Parce que la vérité que tu dois comprendre, c'est que tu obéis quand même à quelqu'un. Parce qu'il n'y a que deux maîtres dans le monde spirituel. Si tu n'obéis pas à Dieu, alors tu es en train d'obéir au Satan. Si tu ne prêtes pas ton corps à Dieu, tu es en train de le prêter à un démon. La question, ce n'est pas est-ce que tu obéis. La question, Pierre dit dans 2 Pierre 1, verset 19, hein, 2 Pierre 1 ou 2 Pierre 2, verset 19, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, il y a quelqu'un qui a triomphé de toi. La question, c'est un esprit. Quel est l'esprit qui a triomphé de toi? Tu es un esclave. Tu es esclave de qui? Alors il a passé du temps à m'expliquer l'importance de l'obéissance. Tu vois, la génération Moïse ne pouvait pas aller à Canaan prendre leur héritage à cause de leur désobéissance. Quand Dieu dit, soyez reconnaissants, ils étaient dans le murmure. Quand Dieu dit de marcher dans l'amour, ils marchent dans l'amertume. Quand Dieu dit d'être rempli de gratitude, ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de se lamenter. Leur désobéissance les a disqualifiés. Leur désobéissance leur a fait perdre 40 années. Leur désobéissance a différé tout ce que Dieu voulait faire par eux et à travers eux, pour eux et à travers eux dans leur époque. Leur désobéissance a obligé Dieu à reporter à la génération suivante ce qu'il voulait faire au départ avec la première génération qui est sortie d'Égypte. La désobéissance te fait perdre du temps. C'est quoi la désobéissance? C'est lorsque tu désobéis à la parole écrite de Dieu et à la voix de Dieu. Tu n'as pas idée du nombre de chrétiens qui prient, mais qui sont désobéissants. Mais n'oublie jamais, quand tu es désobéissant à Dieu, tu es en train d'obéir à Satan. Il n'y a que deux maîtres. Jésus a dit dans Luc, Matthieu 8, Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Nul ne peut servir deux maîtres. Ça veut dire que nul ne peut être l'esclave de deux maîtres. Tu ne peux pas être esclave de Jésus et esclave de Satan en même temps. Non, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou alors il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir doulos, vous ne pouvez être esclave, prisonnier de Dieu et de maman en même temps. C'est impossible. Il y en a un, forcément, parmi les deux. Il n'y a que deux maîtres dans le monde invisible. C'est soit Satan qui est à la tête de son royaume, soit Dieu qui est à la tête de son royaume. Il n'y a que deux maîtres, il n'y a que deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il n'y a que deux natures, deux influences, c'est soit la chair, soit l'esprit. Il n'y a que deux temples, soit tu es le temple du Saint-Esprit, soit tu es l'habitation d'un démon. Tu es l'habitation de qui? Arrête de le faire le fier. Moi, je ne suis pas l'habitation d'un démon. Écoute-moi, on sait qui domine, qui triomphe en toi, en voyant, en écoutant ta bouche et en voyant à qui tu prêtes ton corps. C'est lui ton maître. Ton maître, c'est celui à qui tu obéis. Qui prend ton corps? Qui contrôle ta bouche? Tu n'as pas idée du nombre de gens qui prient à l'église, mais dans la bouche est contrôlée par un esprit de critique, de calomnie, de murmure, de lamentation. Qui est ton maître? C'est facile de connaître ton maître. Ton maître, c'est celui qui te commande. Bon, on ne va pas aller là-bas, laisse tomber. Le visage a commencé à s'assombrir. La désobéissance te fait perdre du temps. Dieu devait te libérer et Dieu devait libérer des gens à travers ta vie. Ta désobéissance non seulement retarde ta vie, mais elle retarde la libération des personnes que Dieu devait libérer à travers ta vie. Donc il y a des gens qui sont encore enchaînés dans ta vie, dans ta famille, dans ton cercle relationnel à cause de ta désobéissance. Dieu te demande de t'engager, d'être tout entier à lui. Toi, tu es partagé. Un pied dedans, un pied dehors. Tu perds du temps et tu ne sais même pas que tu es en train de servir Satan. Il y en a un qui est en train de dire, yes, yes, elle est à nous. Dès que je dis, dès que mes pensées viennent en elle, mets ta main en bas, allez, touche là-bas tout seul. Masturbe-toi, tu obéis. L'esprit d'impunité dit, yes, tu es à moi. Tu m'obéis, c'est ça. Continue encore.
Bon, maintenant que tu as fini, va coucher. Cherche un homme là-bas ou cherche une femme. Oui, j'arrive, maître. Il dit, c'est ça. Allez. Allez, dimanche, je t'autorise à aller à l'église. Je peux aller à l'église? Va chanter, pas de problème. Dès que tu sors, toi et moi, on est ensemble. Hein? Oui, maître. Donc, tu vas à l'église, tu lèves des mains hypocrites et impures. Des mains d'acteurs, de comédiens. Hein? Et puis, dès que tu sors, maître, je suis encore là. Allez, on y va encore. Minable, lamentable. Tu ne sais pas. Tu perds du temps. Tu détruis ta vie. Satan se réjouit. Satan est heureux. Il dit, oh, elle peut prier. Ce n'est pas grave. Au moins, elle est à nous. C'est notre agent infiltré. C'est notre antenne relais. Et quand cette personne-là, qui prie, mais qui est esclave de Satan, bizarrement, quand elle touche la sono, quand elle se met à la sono, elle émet des ondes. Bizarrement, le son maintenant commence à... Le son qui était bien, on entend les interférences. Non, je suis sérieux. On ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui sont des antennes relais. C'est-à-dire que l'esprit qui te contrôle, à travers l'influence qu'il exerce sur toi, arrive à polluer un environnement proche. Juste à travers l'influence qu'il exerce sur toi. Tu deviens son complice. La question, c'est qu'est-ce que Satan a fait pour toi? Pour que tu lui donnes ton corps. Il a fait quoi pour toi? Tu lui donnes ta bouche. Tu lui donnes tes mains. Il a fait quoi pour toi? Qu'est-ce que l'esprit de colère a fait pour toi? Il n'y a aucun démon qui est bon. Le diable est mauvais. Il est méchant. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que l'esprit de critique? Qu'est-ce que l'esprit de colère? Qu'est-ce que l'esprit d'amertume? Qu'est-ce que l'esprit de jalousie? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il te détruit. Il détruit. Il te pousse à détruire ce que Dieu voulait construire à travers ta vie. Tu ne l'as pas aidé. Du nombre de gens qui veulent prier. Veulent commencer par prier. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mets d'abord ta vie en ordre. L'obéissance, c'est la seule preuve que tu as donné le pouvoir à Jésus. Tu vois, nous, moi je suis arrivé au stade, on n'a plus le temps pour désobéir. Chez nous, à Impact Centre Chrétien, on n'a plus le temps. Tu vois, obéir à la parole de Dieu, obéir à la voix de Dieu, dit Amen. Amen. Tu vois, il y a des domaines dans lesquels on ne doit plus discuter. Chez nous, quand on dit dîme, c'est l'obéissance. On obéit à une loi spirituelle. Il y a des gens, tu es encore là, ouais, mais la dîme c'est quoi? Ouais, mais, tu es dans la désobéissance, tu es un récalcitrant. On n'a plus le temps pour discuter sur la dîme, sur les offrandes. Chez nous, quand on dit offrande, on est content de donner. Pourquoi? Parce qu'il est écrit donner et il vous sera donné. On est content de donner parce que donner est une preuve d'amour. Mais ce n'est pas tout. Donner est une preuve d'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, tu vois, chez nous, on n'a plus le temps. On est content qu'on doit donner. On est content de donner la dîme. On ne paye pas la dîme. On donne nos 10%. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est la manière. 10%. Oh, quelqu'un dit, c'est moi, mais je ne suis même pas allé là-bas. La dîme n'est pas à toi. La dîme est une manière de reconnaître la prééminence de Dieu. C'est ce qu'on appelle les prémices de tes revenus. Les prémices, ce sont les premiers fruits. Dans chaque revenu, il y a la première partie. Pas 10%. Ce sont les premiers 10%. C'est ça qu'on appelle la dîme. Premier 10%, ce n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les prémices. Les prémices sont une manière de reconnaître à Dieu la prééminence. C'est-à-dire que Dieu a la première place. Parce que ma Bible l'appelle le premier. Il n'est pas le deuxième, il est le premier. Quand il n'est pas le premier, il n'est pas. Tu vois, les amènes ont baissé. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Non, dis à ton voisin, on n'a plus le temps pour désobéir. On n'a pas le temps. Tu n'as pas compris que quand Dieu te dit d'obéir à un principe qu'il a établi, c'est pas pour lui. Dieu fait quoi avec l'argent? Tu penses que c'est pour l'église? Ah, toi, tu penses que quand tu donnes à l'église, tu rends service à l'église? Tu n'as rien compris. Quand tu donnes, tu rends service à ta vie, à ta postérité. Aimé, c'est pas la peine d'aller ailleurs tant que tu n'as pas décidé d'obéir à Dieu. Tes prières sont bloquées. Le psalmiste a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Ce qui bloque premièrement tes prières, c'est ta désobéissance. Alors prends la série sur l'obéissance. Elle va t'aider. Tu vas comprendre comment Satan piège les gens par leur désobéissance. Dis Amen. Il y a trois clés bien-aimées qui ouvrent les portes de l'impossible. Tu vois, là, je ne suis pas en mode enseignement. Je ne sens pas l'onction d'enseigner. Donc, je n'ai pas envie de rester longtemps dessus. Je te donne juste les trois. Et puis après, on va juste compte. Allez, on va voir comment le Seigneur nous conduit. Mais mon but là, c'est de réveiller quelqu'un qui est indigné. Ce n'est pas une question d'endroit, bien-aimé. J'ai découvert qu'à Paris, là où il y a les hôtels, la manière dont j'ai vu Dieu se manifester à Paris,
ce sont des centaines et des centaines de guérisons, de délits. J'avais jamais vu ça. Un tsunami est passé par là et a tout emporté sur son passage. Aïe, 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 aïe. Non, j'ai dit, c'était trop fort. Oh, quelqu'un me dit amen. J'ai jamais. Mais dans tous les domaines, c'était un raz de marée. Dans tous les cas différents, les gens qui étaient connectés à la prière. Mais ce qui a préparé les 21 plus un jour de l'année dernière, c'était d'abord l'obéissance. Dieu n'envoie pas à Canaan un peuple qui n'est pas obéissant. Voilà pourquoi la génération Moïse n'est pas allée à Canaan. C'est la génération Josué. Qu'est-ce qui caractérisait la génération Josué? C'est une génération de soldats. Ils ont dit à Josué que l'Éternel son Dieu soit avec toi. Si quelqu'un désobéit, c'est nous qui allons lui régler son cas. Ils étaient, on a trop perdu de temps dans le désert. On en a assez de tourner en rang. On veut aller à Canaan. Il n'y a pas de visitation divine sans d'abord consécration. Sainteté totale. Abat le péché. Dors, mettez de l'ordre. Tu dois choisir. Tu veux Dieu ou tu veux rester là où tu es? Moi, bien-aimé, moi j'ai dit je veux Dieu. Seigneur, il faut qu'on te voie dans mon époque. Il faut qu'on te voie dans ma génération. J'en ai assez d'entendre les païens se moquer de nous. J'en ai assez d'entendre les LGBT se moquer de nous et prendre le territoire. J'en ai assez de voir l'islam progresser. Non, bien-aimé, je dis Seigneur, s'il n'y a pas de témoignage, les témoins ne sont pas crédibles. Il faut des témoignages. Pour qu'il y ait des témoignages de miracles, de prodiges et de signes, il faut que Dieu descende. Pour que Dieu descende, il dit toujours nettoyer. Dieu ne descend pas tant que tu ne mets pas de l'ordre. Dieu ne descend pas. Il y a des gens, avant de les inviter chez toi, tu ranges la maison, oui ou non? Je n'ai pas entendu. Tu ne peux pas recevoir le chef de l'État et puis il arrive dans ta maison. Tout est sens dessus, dessus, les chaussures sont sur le canapé. Hein? Non. Là, il y a des miettes de pain partout, il y a du pain, la confiture, le Nutella. Non, tu nettoies. Avant que Dieu n'atterrisse, il exige le nettoyage. C'est ça qu'on appelle. Mets de l'ordre. Renonce au péché. Sors de là. Il y a des vies. Il y a ta vie qui doit changer. Et à travers toi, il y a des personnes qui doivent être irradiées. Amen. Tu n'as plus le temps pour négocier avec Dieu. Cette négociation ne vient pas de toi. Elle vient d'un démon avec qui tu as cohabité trop longtemps et qui essaie de te persuader. Non, n'obéis pas à Dieu. Tu sais, oh, Dieu te comprend. C'est normal que tu sois rebelle. C'est normal que tu aies tendance à injurier les gens. C'est normal que tu n'aimes pas l'autorité. C'est normal que tu te méfies des pasteurs parce que tes parents t'ont brimé. On t'a fait trop du mal. C'est normal. C'est normal. Une voix, quand tu décides d'obéir à Dieu, une voix va plaider à l'intérieur de toi. Non, n'obéis pas à Dieu. N'abandonne pas la masturbation. Tu sais, c'est normal. Hein. Il faut quand même, parce que si tu ne te masturbes pas, il faut quand même libérer le liquide là. Parce que si tu libères le liquide là, c'est compliqué, mon gars. Menteur. C'est normal que tu te prostitues, c'est normal que tu couches, mais vous vous aimez, non? C'est normal. Dieu a dit non, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as été racheté. Tu sais ce que ça veut dire racheté? Ça veut dire que tu n'es plus le propriétaire. Ce corps n'est pas à toi. Si il est à moi, en bon, il n'est pas à toi. Et même avant, il n'était pas à toi. S'il appartenait à l'esprit d'immoralité sexuelle, c'est lui qui était le maître. Et quand tu dis j'ai pas envie, c'est parce que l'esprit d'immoralité avec qui tu as cohabité pendant trop longtemps est en train de te dire non, fais pas ça. J'ai encore envie de souiller parce que tout démon que tu ne combats pas, tout esprit que tu ne combats pas, tout démon que tu ne chasses pas de ta vie attend patiemment d'être transféré aux générations futures par les liens de sang. Et ainsi tes enfants naissent, tu prétends les aimer. Oh, je vous aime mes enfants. Mais pourquoi si tu m'aimais? Tu n'as pas renoncé au péché parce que Satan va te convaincre de ne pas obéir à Dieu. Parce que Satan ne veut pas seulement te contrôler, toi. Il veut contrôler ta postérité. Ainsi, tes enfants naissent avec des malformations de caractère. Un enfant qui a 6 ans, j'ai vu ça, 6 ans, est ivrogne. 6 ans, l'enfant boit. Il est ivrogne. Pourquoi? Son père était alcoolique. Ne sais-tu pas qu'on transfère à nos enfants nos gènes et que les gènes enregistrent les informations? Les gènes enregistrent tout ce qui en toi devient une habitude et enregistré dans la mémoire de tes gènes. Et c'est ça qu'on transfère à notre postérité. Donc, il y a des enfants, on transfère. Les gènes sont porteurs d'informations concernant la couleur de peau, les yeux, les cheveux. Mais les gènes transfèrent et transportent également les informations sur le caractère. Quelqu'un naît et puis surtout avec des pulsions parce que c'est enregistré. Ça a été transmis parmi les 21 de maman, les 22 de papa, les 42. Il y a des gènes de caractère souillés. Qu'on a transmis. Papa était adultère. L'enfant des 8 ans, il aime déjà jouer le sexe et tout ça. Sans compter, il y a les démons qui rentrent par la chair, par le sang.
Et puis maintenant, il y a la chair avec ses oppressions, ses passions et ses désirs. Même pas besoin de démons, rien que la chair toute seule. Laisse tomber ça. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour critiquer, calomnier, médire les gens. Frère, on n'a plus le temps. En calomniant, tu as tort de donner ta langue. Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça. C'est, tu vas détruire ta vie. Quel que soit. J'ai vu des gens qui avaient un gros potentiel. Leur langue les a tués. Jacques dit la langue, là, un petit membre qui se vante de grands exploits. Il y avait des gens qui avaient du potentiel. Je les ai poussés à critiquer. Mais c'est parce que tu ne sais pas les conséquences. Parce qu'on ne t'a pas enseigné. Mais tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne. Tu as juste besoin de lire et d'obéir. Quand c'est écrit, obéis. On ne prend pas possession de son héritage sans l'obéissance. C'est la première clé. La deuxième clé, c'est la foi. Mais c'est une conséquence du premier. Parce que la foi, l'obéissance est une preuve de foi. Quand tu obéis à Dieu, c'est la preuve que tu lui fais confiance. Quand tu désobéis à Dieu, ça veut dire que tu ne lui fais pas confiance. La foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La foi, une denrée rare dans l'Église. Beaucoup veulent prier, mais sans la foi. Une foi grande n'est pas le fruit d'un accident. Une foi grande est le résultat d'un rendez-vous régulier avec Dieu, sa parole et le Saint-Esprit. Notre génération, tu veux faire des exploits? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu ne peux pas faire d'exploits sans la foi. Tu ne peux pas déplacer les montagnes sans la foi. Les gens veulent déplacer des montagnes, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont l'espoir, ils ont l'espérance, ils savent crier. Non, bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas une affaire de cri. Moi, je crois à la puissance de la prière. Mais avant la prière, il faut la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu approches Dieu sans la foi, Dieu ne prend pas plaisir. Que dit la foi? La foi dit, je sais qui tu es. Je sais que tu es capable. Je sais, je crois en ta fidélité. Je crois en ta bonté. Je crois en ta justice. Je sais que mon rédempteur vit. Je sais que je ne serai pas confondu. Je sais, même si ce n'est pas mon expérience d'aujourd'hui, je sais que ta parole est la vérité. Je sais que la vérité sort de ta bouche. Je sais que à toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans le ciel. Je sais que les cieux et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Quelle que soit ma condition, je sais que mon Rédempteur vit et qu'il se lèvera le dernier. Je sais que quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Je sais que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Je sais, alors la honte va quitter ma vie, parce que je sais. La foi s'appuie sur la parole. La foi, ce n'est pas l'espoir. Ce n'est pas l'espérance. Au début, il y a l'espérance. Et puis quand tu lis les Écritures, tu te rends compte que ton espérance, c'est exactement ce que Dieu dit dans sa parole. Alors c'est là que naît la foi. J'ai espéré, mais maintenant, il n'y a pas la foi. Tu vois, les gens veulent prier tous les jours. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi de l'Église aujourd'hui est trop petite. Il faut que cette année, tu aies une foi qui déplace les montagnes. Les montagnes. Je vous dis, bien aimé, il y a des choses que tu vas faire à cause de ma foi. L'autel royal, que les gens y croient ou pas, il va sortir à cause de ma foi. Amen. Vous y croyez ou pas, quand tu vas content ou pas, j'ai dit, il n'y a personne qui va nous arrêter. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Amen. Non, c'est fini. Là, tu vois, la France là, est contrôlée par des réseaux ésotériques, illuminatis, sociétés secrètes. Si tu ne prêtes pas allégeance, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'as pas prêté allégeance au grand maître, jamais je vais me prosterner devant un grand maître. Le seul grand maître, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun grand maître. Aucun. Tu vois, il faut un peuple qui en a assez des limites, des limitations, des systèmes, des préjugés. Oh non, il faut d'abord monter patte blanche. Il n'y a pas de patte blanche. Je monte patte blanche au Saint-Esprit.
foi, un peuple de foi. Ce peuple, cette génération n'a pas la foi. Elle ne connaît pas la Bible. La foi a besoin de s'appuyer sur les Écritures. La plupart des chrétiens ne connaissent pas les Écritures. Hier, j'ai demandé qui connaît Nabal. La plupart des gens ne connaissaient pas. Ils ne lisent pas la Bible. Ils lisent seulement le Nouveau Testament. La Bible, ce n'est pas le Nouveau Testament. La Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a des livres comme Lévitique. On comprend que tu ne lis pas. Ça, d'accord. Parce que tu ne comprends rien. D'accord. Mais il y a des livres historiques. Genèse, il faut lire. Toutes les vérités bibliques prennent racine dans le livre de Genève. Il faut lire Genève. Genèse. Il faut lire une partie de Exode. Tu dois lire les livres historiques. Tu dois connaître l'histoire de Néhémie. Tu dois connaître l'histoire de David, de Daniel. Tu dois connaître 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques. Il faut lire les Écritures. Cette génération n'a pas la foi. Parce qu'elle ne prend pas rendez-vous avec la parole. Elle prend rendez-vous avec WhatsApp. Non. Non, cette génération a un sérieux défi. Nous tous. Les gens n'aiment plus la parole. Voilà pourquoi avant de lire la parole, tu dois redemander au Seigneur l'amour de la parole. Tu dois t'humilier, demander pardon pour la distraction et revenir à l'amour. Il n'y a pas la foi sans la parole. Tu dois avaler les Écritures. Ça, c'est ta responsabilité. Maintenant, quand tu vas prier, le Saint-Esprit va toujours te parler par les Écritures. Je n'ai pas entendu, amen. Le Saint-Esprit ne te parle pas hors des Écritures. Quand l'onction prophétique coule, il s'appuie toujours sur la parole pour proclamer. Toute prophétie qui ne prend pas appui sur les Écritures n'engage que son auteur. Dieu n'est pas engagé. Dieu est engagé par sa parole. Décidons, bien-aimés, de revenir à la parole. Comme je disais hier, arrête d'admirer les gens. Décide d'imiter. Je n'ai pas entendu ton amen. Arrête d'admirer. Décide d'imiter les gens de foi. Imite les gens de foi. Comment ils ont fait pour avoir une telle foi? Comment ils ont fait? La foi déplace les montagnes. Une grande vision, c'est une grande foi. Amen. Tu vois? Et vois la conquête de la francophonie. Oh bien-aimé, il ne sera pas fait selon ta prière, il te sera fait selon ta foi. Je n'ai pas entendu, amen. La prière vient après. Mais encore faut-il croire. Israël a été disqualifié à cause de son incrédulité. Il faut croire. Mon fardeau ces temps-ci, les chrétiens n'ont pas la foi. Ils ne savent pas s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Ils croient dans les sens. Je sens. Je ressens. Ça, ce n'est pas la foi. Quel que soit ce que je sens, la Bible dit, Abraham ne considéra point que son corps était déjà trop âgé, trop usé. Non! Abraham, ça, il était la réalité. La Bible dit, il ne considéra point, Romains 4, verset 20, il ne considéra pas, 19 ou 20, il ne considéra pas. Ça veut dire qu'il y avait les faits, il y avait la réalité. Il a dit, oh, sans effet, je ne m'appuie pas sur ça, je m'appuie sur ta fidélité. Quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Car lorsqu'on tourne vers toi les regards, Père, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas pourquoi je traverse ce que je traverse, mais je crois en ta fidélité. Tu as dit, quiconque espère en toi ne sera pas confus. La confusion ne sera pas mon histoire. Mais pendant que tu dis ça, tu es en train de vivre la confusion, mais tu proclames que la confusion ne sera pas mon histoire. Parce que je m'appuie sur toi. Quiconque te prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Mes sources sont en toi. Ma fondation, c'est toi. Je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de plan C. Je n'ai que toi, Seigneur. Et quand tu dis ça, ton âme est frustrée. Ton cœur est en colère. Parce que tu vois ta vie, ça ne va pas. Mais tu refuses de maudire Dieu et de mourir. Non. Tu dis, je sais que tu vis. Je sais que tu es capable. Je sais que tu n'as pas changé. Je sais que tu m'aimes. Tu ne dis pas ce que tu sens. Tu dis ce que tu sais. La raison pour laquelle beaucoup ne disent pas ce qu'ils savent, c'est parce qu'ils ne savent pas. Pourquoi? Ils ne connaissent pas les Écritures. Les Écritures te révèlent la nature de Dieu. Te révèlent le caractère de Dieu. Proclame ça à Dieu. La foi, j'ai découvert, va emmener Dieu... La foi oblige Dieu. Quand Dieu voit la foi chez quelqu'un, la foi oblige Dieu à donner à quelqu'un ce que Dieu n'avait pas prévu de lui donner.
Tu blagues. Si tu ne me crois pas, demande à la femme cananéenne. Ce n'est pas son jour. Jésus n'est pas là pour les Samaritains. Il n'est pas là encore moins pour les femmes cananéennes. Il est là, il est venu, lui, en s'entend. Il venait d'abord parler à Israël. Cette femme-là n'est pas d'Israël. Elle dit, Seigneur, au secours, ma fille est tourmentée par un démon. Jésus lui dit, non, maman, je ne suis pas désolé. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, de la donner aux chiens, parce que je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ton tour, ça viendra après la Pentecôte, quand les apôtres vont commencer avec le Saint-Esprit, votre tour viendra. Mais pour l'instant, je suis d'abord venu pour les 12 tribus d'Israël. On ne prend pas la nourriture des enfants, on la donne aux chiens. Elle dit, Seigneur, ce n'est pas grave. T'inquiète pas, tu sais, de la table des enfants, là, les miettes, ça va me suffire. Cette miette va guérir ma fille. Jésus dit, ah! La Bible dit, Jésus est étonnant, elle a regardé, dit, femme, ta foi est grande, va qu'il te soit fait selon ta foi. Elle a... Oh. Le Seigneur te communique une foi sans précédent. La foi qui déplace les montagnes cette année au nom de Jésus. Il y en a assez de voir petit, de rêver petit. La foi voit grand, rêve grand. La foi dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Quelle est cette génération? Elle ne rêve pas d'exploits. Tu parles avec les jeunes aujourd'hui, leur rêve c'est Bac plus 2. C'est quoi comme rêve ça? Rêve de conquérir le monde. Rêve de prendre les nations pour Christ. Rêve d'influencer ta génération. Rêve! C'est ça, une personne qui a la foi est une personne qui ne voit pas les barrières, qui ne voit pas les montagnes. On lui dit, non, madame, maintenant, vous savez. Alors, je t'explique, Ivan. Je t'explique. Un, t'es noir. Je dis, bon. Moi, je suis du ciel, mon ami. D'abord, un, je ne suis pas noir. Le corps est marron, il n'est pas noir. Et le pire, il ne faut pas me dire que je suis un homme de couleur. Là, c'est encore pire. Parce que moi, la couleur ne change pas, mon gars, tu comprends? Toi, quand tu es en colère, tu es vert. Quand tu es pâle, tu es bleu. Moi, je suis pas moi-même couleur. Alors, arrête de m'embêter. Je ne suis pas une personne de couleur. Dis amen. Il ne faut pas laisser les gens t'enfermer. La foi fait de toi un audacieux. La foi te fait voir l'invisible. La foi te fait voir, même quand tes yeux sont fermés. Tu vois comme Moïse, l'invisible. Tu vois le roi sur le trône. Tu vois le Dieu capable. On ne peut pas arrêter une personne de foi. Arrêtez de rêver petit. Arrêtez d'être content d'une petite église. Ça, c'est une petite église. Tant que vous n'avez pas la volonté de Dieu, ce n'est pas une église ici. C'est plusieurs méga-church dans la région de l'Occitanie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas une petite assemblée. Vous voyez une petite assemblée? Oh, c'est pas mal. Ce n'est pas... C'est médiocre. C'est quoi cette mentalité de petitesse, de médiocrité? C'est parce que la foi a disparu. Les gens n'ont pas rendez-vous avec les Écritures. Ils ne connaissent pas le Dieu de conquête. Dieu est humble, mais c'est un conquérant. Il veut conquérir les nations. Quand tu es une personne de foi, quel démon va t'arrêter? Il a dit, te feront la guerre. Mais quand tu as la foi, moi je te dis, écoute-moi, faut pas me chercher. Ils savent, hein? Ils savent. Ils font la guerre tout le temps. J'ai dit, n'essayez pas, vous allez perdre votre temps. Aussi nombreux, vous allez venir m'attaquer. Aussi nombreux, vous allez mourir au nom de Jésus. Comment? Que Dieu fasse de toi une personne de foi. Prends rendez-vous avec le livre. Avale-le. Crie à Dieu. Implore Dieu. À force de l'implorer, il va faire sortir en toi son cœur. Tu vas commencer à ressentir les battements de son cœur. Tu vas commencer à voir comme il voit. Tu vas commencer à penser comme il pense. Et quand tu vas voir comme il voit et penser comme il pense, bien-aimé, tu vas devenir un tueur de géants. Les montagnes qu'on a mis. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas te stopper. On ne peut pas te limiter. Dieu dit, je suis avec toi. Qui va m'arrêter? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors, avant de prier, tu dois croire. Tu dois te sentir invincible. Dis amen. Il faut arrêter de laisser les gens te limiter. Le monde a tendance à nous limiter, à te mettre dans quatre murs. Sors de la barque de la médiocrité, de l'immobilisme. Ça fait longtemps que je suis sorti de là. La barque des petites églises, la satisfaction. Oh, c'est pas mal, hein? On est quand même, on est quand même 2500 maintenant à Boissy. Ça, c'est quoi 2500? Tu es dans une région où il y a 12 millions d'habitants et tu es content? À Paris, en région parisienne, demain, avant 2030, on aura au moins 40 à 50 méga-churches. Ah ouais? Ah oui, nous, là. Moi, je ne sais pas pour vous ici, hein? Mais là-bas, on va prendre la capitale et la région. Comment? On prend la francophonie.
tout. Hein. On va. Vous pensez que ce que vous voyez aujourd'hui, là, ça va rester comme ça là. Regardez bien, les LGBT qui contrôlent les médias. Ça, c'est aujourd'hui. Un temps vient. Dieu m'a dit, il annonce la venue, l'élévation de Mardoché et de Esther dans notre génération. Vous allez voir. Vous allez voir. Dieu va le faire. Mon Dieu va le faire. Tu vas entendre un jour, à la tête de TF1, ça sera né de nouveau. À la tête de France 1, ça sera né de nouveau. Dehors les homosexuels. Dehors. Adam qui embrasse Steve à la télé. Un temps va venir, ça va s'arrêter. Mais il faut des hommes et des femmes de foi. Il faut des hommes et des femmes qui le voient et qui ne sont pas intimidés. On lui dit non, toi tu es. Ah, par rapport à ton origine. J'ai dit, écoute-moi, je ne suis pas locataire en France. Écoute-moi, je ne suis ni locataire, ni immigré. La terre appartient à mon papa. Où je suis chez moi. Comment je possède ce pays. J'ai déjà dit à Dieu. Tu sais comment je prie le soir? J'ai dit, vous qui tenez les nations de la France, libérez-les. J'ai demandé à Dieu, les nations de la France, ces nations sont à moi. Je les arrache et je les vois disent, qui es-tu? J'ai dit, je suis de la race de Christ. Je suis fils de Dieu. Je suis de la postérité de mon grand frère. Je suis la justice de Dieu. Je suis bien-aimé de Dieu. Je suis racheté. Je suis justifié. Je suis sanctifié. Je suis glorifié. Je suis la nouvelle création. Oh, je suis tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Je suis inarrêtable. Je suis un lion. Je me lève comme une lionne. Je me dresse comme un lion. Quand je m'apprends, je suis un prédateur. Je détruis les œuvres du diable. Quelqu'un me dit amen. Mais pasteur Ivan, qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? C'est le Saint-Esprit avec la parole. À force de prendre rendez-vous avec le Saint-Esprit et la parole, il enlève les écailles de mes yeux. Il renverse les forteresses de limitation. Il me donne, il me parle. Et du coup, ses pensées deviennent mes pensées. Sa vision devient ma vision. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas me limiter. Tu ne peux pas. Tout ce qu'ils m'ont dit. Ah, on m'a dit en 2011. Ah, la Belgique. Ah, c'est dur à une église. On a commencé avec 40 personnes. Aujourd'hui, ICC Bruxelles, c'est plus de 1000 adultes sans compter les enfants. Et le bâtiment de ICC Bruxelles, c'est d'après le président de la Fédération protestante belge, l'équivalent de la Fédération protestante belge, c'est le bâtiment, selon lui, avec le plus haut standard d'excellence dans tout le royaume. C'est un bâtiment sur 4 rues, 4 pâtés de maison. On m'a dit non, la Belgique c'est fichu. On m'a dit la Martinique, il n'y a plus rien. On est en train de construire un auditorium de 600 places, 800 places aujourd'hui en Martinique. C'est la plus grande église de toute la Martinique. De toute la Martinique. On a commencé un Impact Chrétien en Guyane. En 3 ans, on a 900 adultes. 3 cultes en 3 ans. Les vaudous sont en train de venir se convertir. Comment? Il y a quelqu'un, c'est une question de foi. Comment? Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas. Si tu peux arrêter Christ, tu pourras m'arrêter. Si tu peux tuer Jésus-Christ, tu vas me tuer. Mais tant que je n'ai pas fait ce qu'il a dit de faire et que je n'ai pas fini mon mandat, personne ne m'en veut. Quand je quitterai la terre, je ne quitterai pas assassiné. Je quitterai parce que j'ai fini, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je n'ai pas entendu ton amen. Aucun esprit de mort subite ne t'emportera cette année. Celui qui appelle la mort subite contre toi va mourir avant le 31 mars au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Ouais. Parce qu'il y a des gens, tu vois, tant que Dieu te protège seulement, ils comprennent pas la leçon. Maintenant, nous sommes entrés dans la saison. Tout ce qui t'attaque, non seulement leurs attaques seront sans effet, mais ça ne s'arrête plus là. Désormais, toutes les flèches qu'ils envoient vont retourner contre leur expéditeur. Dis-moi amen. C'est la foi qui le fait. Tu ne peux pas prendre rendez-vous avec le livre tous les jours et avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le livre, c'est le livre et l'esprit.
Parce que c'est l'esprit qui rend témoignage à ton esprit. C'est l'esprit qui t'ouvre l'intelligence pour que le livre, quitte le livre, ne soit plus écrit, mais soit esprit et gravé sur les tables de ton cœur. Dis amen. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu peux pas. J'ai appris à parler anglais en 3 mois. On m'a dit, regarde, moi c'est mon prof du piano. Quand il a commencé à me donner des cours, je lui dis toujours depuis quel âge. Il m'a dit depuis 6 ans. Bon, je ne donne pas son âge aujourd'hui. Mais à l'époque où il m'a appris, je lui ai dit, je vais faire en 3 mois ce que tu fais depuis l'âge de 6 ans. Il m'a dit, comment tu vas faire? Je lui ai dit, c'est une question de foi. Et ensuite, je vais payer le prix. Au bout de 3 mois, il m'a dit, je ne sais plus quoi t'apprendre. Tu joues n'importe quelle chanson, je vais t'accompagner. Dieu m'a donné. C'est une question de foi. J'ai appris italien en 3 mois. On m'a dit, j'étais le dernier de la classe en italien. Jusqu'à ce qu'on m'envoie, j'étais nul, zéro, toto. Jusqu'à ce qu'on m'envoie en Italie faire le service militaire, travailler dans une entreprise française. Et là, les gars découvrent que je ne sais pas parler italien. Je sais seulement dire si, no, si, no. Magari, si, no, si, no, si, no. On me dit, vous ne parlez pas italien. Je dis non. On me dit, tu as 3 mois. Si toi, en 3 mois, tu ne parles pas italien, on te renvoie en France. Je dis, ne vous inquiétez pas. Dans 3 mois, je domine l'italien. Écoute-moi, au bout de 3 mois, mon italien était d'une pureté. Tout le monde pensait que j'étais un italien blanc. Personne ne savait que j'étais noir. Personne ne savait que j'étais français. Te lo parlavo con le mani, scusa, dai, amen. Donc, quand je te parle de la foi, ce n'est pas une théorie. Je suis un message. J'ai dit, on prend la francophonie. Avec ou sans toi, on prend la francophonie. Avec ou sans toi, on prend les états. Ça veut dire quoi? On prend les médias, on prend l'économie, on prend la politique, on prend le sport, on prend l'éducation. Tu vas voir. Je suis déjà en train de voir les prémices. Je suis allé à Cotonou cette semaine. J'ai été accueilli par le préfet. Le préfet, il est venu, il a... Le préfet s'incline. J'ai dit, mon gars, on est ensemble. Je te dis. Le préfet s'est mis à genoux pour que je prie pour lui. J'ai dit, ton élévation commence maintenant. Tu ne t'arrêtes pas là, tu vas aller plus loin. Des impacts femmes chrétiens, écoute-moi, hein, vont sortir des chefs d'État, des premiers ministres qui vont changer les standards des nations. Je ne sais pas si Dieu va t'utiliser toi, mais Dieu va utiliser des gens fidèles. Pourquoi? Pourquoi c'est si important d'occuper la politique? C'est parce que dans toute l'histoire biblique, il a été démontré que le peuple suit toujours le Dieu du roi. Quand le roi est perverti, le peuple est perverti. Quand à la tête des États, ce sont des maçons, des ésotériques, tout le monde doit prêter allégeance. Et ceux qui ne prêtent pas allégeance ont du mal. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, ça va changer. Ça s'arrête, ça va changer. Il y a de l'espoir. Pourquoi? Il y a des hommes et des femmes de foi. Ça va changer, vous allez voir. Et n'aime pas, les gars ne m'aiment pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils me critiquent tout le temps. Ouais, tu es un maçon. Ils n'ont pas pu prouver, montrer une seule photo, une seule vidéo où je suis avec eux. Il n'y a pas de problème. Vous ne m'aimez pas, vous allez voir. Parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Ils pensent que si tu ne prêtes pas, si tu ne te prosternes pas, tu n'es pas élevé. Mais Dieu les a déjà confondus. Mais ce n'est que le début de la confusion. Moi, je n'ai rien contre les hommes. J'ai un problème contre leur système de pensée. Sinon, eux, ce sont des âmes qu'on doit sauver. Mais tant qu'ils n'auront pas vu le Dieu de justice, ils ne seront pas convaincus. Voilà pourquoi on est passé dans la phase où Dieu a annoncé maintenant la rétribution des méchants. Celui qui appelle la folie, il devient fou. Celui qui veut être paralysé sera frappé de paralysie. Ces paroles vont s'accomplir dans la vie de celui qui croit à la parole annoncée. Tu vas voir. Quand j'ai dit ça pendant les 21 jours, j'ai donné le dernier délai. J'ai dit avant dimanche, si tout sorcier qui appelle la mort quand une personne qui est sous mon autorité apostolique va mourir. Je ne savais pas ce que ça allait faire. Je ne savais pas. J'ai eu, ça c'était avant le dimanche là. J'ai eu au moins 12 à 13 personnes mortes, frappées de mort subite. À chaque fois, c'était des occultes, des sorciers qui appelaient la mort, la mort. Je n'ai pas tué des gens,
j'ai dit que celui qui appelle la mort, ses mauvais projets retombent sur sa tête. Ouf, il y en a qui sont, il y en a qui m'appellent, pasteur, un tel vient de mourir, mon oncle, un sorcier vient de mourir, pouf. J'ai dit, ah, c'est pas moi. C'est la parole qui a été prononcée qui planait. Celui qui s'est compte, celui qui a dit, je vais, parce que je leur ai dit, rendez les âmes. J'ai laissé un délai. J'ai dit, rendez les âmes. Il n'y a personne qui est sous mon autorité apostolique qui va être frappé de mort subite. Celui qui appelle la mort subite, cette mort va le visiter. Now! Je vous laisse le temps. Je donne toujours un délai. Mais il y en a tant qu'ils n'ont. Il y en a, il y en a même qui ont fait des imprécations. Castanou va mourir. Dieu me l'a dit. Castanou va mourir, il va mourir. J'ai dit, ah bon? Comment ça, je vais mourir? Ah bon? Ils ont arrêté un jour, je vais mourir. Alors j'ai dit, c'est pas moi, le Saint-Esprit m'a dit, dis. De la même manière que Aman avait préparé la colle pour pendre Mardoché, il avait fixé un jour. Oh là là, yashalama. Là, on va dans l'esprit prophétique. De la même manière que Aman avait préparé la colle pour Mardoché pour sa fin. Le même jour qu'il a arrêté pour la mort de Mardoché, c'est le jour où Aman a été trouvé pendu. Quiconque a proclamé, a juré ta mort, va mourir le jour qu'il avait arrêté pour ta mort. Je n'ai pas entendu ton amen. Ça, c'est prophétique. Ça veut dire, tu vois, tu ne peux pas donner une parole sans t'appuyer sur les Écritures. Quand je te dis ça, quand le Saint-Esprit m'a dit ça, il m'a d'abord amené vers Esther. Il m'a dit, tu vois, ce qui t'arrive là, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu penses être nouveau existait déjà avant. Les mêmes pratiques là, ils ont déjà fait ça avant. Ils ont essayé ça avec Mardoché, avec Mardoché. Ce qu'ils ont essayé avec Mardoché a échoué de la même manière avec ta vie. Ça va échouer. Acclame, 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 acclame. Assieds-toi. On doit finir. Waouh. On doit atterrir. Première clé, l'obéissance. Deuxième clé, la foi. Troisième clé, église. Je vous en supplie. Troisième clé. C'est la clé la plus puissante. Les deux autres ne sont que la rampe de lancement. L'obéissance et la foi ne sont que la rampe de lancement. La troisième clé, c'est la plus puissante de toutes. Mais c'est pasteur Ivan, c'est laquelle? C'est faite par l'esprit, ensemble, pas seul dans ton coin, mais lorsque l'église se met ensemble, une fois qu'elle est dans l'obéissance, une fois que c'est une église de foi, quand elle se met à combattre ensemble par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, lorsqu'elle rentre dans la dimension de la privation, dans la dimension du jeûne, dans la dimension du renoncement, pas sur le, toi, les campagnes spirituelles. Oh mon Dieu, si tu savais. On a fait les 21 plus 1. Le mois dernier, il y a quelques semaines, on a fait les 3 jours à sec. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle les campagnes spirituelles. Et là, je viens d'annoncer à l'église aujourd'hui. Oh bien aimé, il y a des choses qui vont se passer. Parce que tu vois, c'est bien d'avoir la foi. C'est bien d'obéir. Mais la foi, l'obéissance, c'est important. Mais la prière, c'est ce qui dépêche le ministère des anges. La prière, c'est ce qui dépêche les bataillons angéliques. La prière, c'est ce qui permet de renforcer la puissance du Saint-Esprit. La prière, bien-aimé, j'ai découvert que de manière pratique, rien n'est impossible. Et là, je te parle avec l'expérience parce que les cas de délivrance et de libération et de guérison et de percée que j'ai vus depuis 3 mois, c'était des cas qui perduraient depuis des années. Le Seigneur m'a dit, toutes les formes de prison qui avaient enfermé, emprisonné mon peuple, les prisons de maladie, les prisons où on enfermait le mariage, on enfermait la destinée professionnelle, on enfermait l'éclat, la splendeur, on enfermait la conversion des enfants. Toutes les prisons depuis votre enfance jusqu'à 2018, ça arrête en 2018. En 2019, vous allez connaître à quoi ressemble la véritable liberté des enfants de Dieu. Et quand il m'a dit ça, il nous a conduit dans un temps de prière prophétique terrible. Et les résultats ont été tellement extraordinaires. C'est là qu'en toute humilité, je ne vous cache pas, j'enseignais comment faire fuir le diable. Je n'avais pas fini l'enseignement. Quand on a commencé la compagnie des 21 jours plus 1,
c'est-à-dire les 22 jours, j'ai été moi-même étonné des résultats. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. J'ai dit, hein? Donc, je n'avais pas fini la série. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas fini. Et je me suis levé un jour, j'ai dit, non, ce que j'enseigne là, je savais que c'était vrai. Je savais que c'était vrai. Mais ça peut se manifester aussi vite. Il m'a dit, tu n'as pas lu Luc 18, verset 5, 6, 7, verset 6, verset 6. Entendez ce que dit le juge inique. Entendez, verset suivant. Et Dieu ne fera-t-il pas justice? Dieu ne vengera-t-il pas ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement, rapidement. Je pensais que ça devait prendre du temps. J'ai découvert que ça peut être rapide. Si l'Église se met ensemble, nuit et jour, elle décide de crier à Dieu pour dire non Seigneur, étends ta main. Elle décide de pleurer devant le trône. Aïe, 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 aïe. Oh, les résultats que j'ai vus. Oh, bien aimé, tu ne peux plus me convaincre sur l'importance de la prière. J'ai découvert que tout est possible. N'importe quelle muraille peut s'ébranler. Je te promets, j'ai tout vu. J'ai vu des maladies. J'ai vu des situations. Tout le monde disait, c'est un... J'ai compris que c'est juste une question de prix à payer. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais la question est, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça la question. Il fera promptement justice s'il trouve un peuple qui est indigné, qui dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma femme et moi, pendant la durée de 21, de 12 jours, de 3 jours, ma femme et moi, on ne se connaît pas. On va te chercher. On renonce à Internet. Je renonce à Facebook. C'est ce qu'on appelle les privations. Je renonce à manger. Je renonce. Seigneur, nous allons te chercher. Aie compassion de nous. Ce n'est pas possible que tu aies entendu et répondu aux cris de multitude qui dans l'Ancien Testament ont crié à toi comme Josaphat, ont crié à toi comme Mardochée, Esther, ont crié à toi, tu as répondu. Tu ne peux pas accorder un meilleur traitement à ceux qui n'étaient pas des fils de Dieu, qui étaient des domestiques, et ne pas entendre les cris de ceux qui sont tes enfants. Non, parce que cette alliance est meilleure, elle est basée sur de plus excellentes promesses. Donc ce n'est pas toi qui as changé. Qui a changé? C'est la disposition du peuple à payer le prix. On veut voir Dieu faire un tsunami. C'était mon rêve. Toutes les maladies, toute infirmité, là où Satan a mis sa main dégage. J'ai découvert que c'est possible. Je n'ai pas le temps. Et j'en ai tellement dans tous les domaines. Hier, non, avant-hier, pendant la veillée qu'on a fait avec les stars, je reçois encore un nouveau témoignage. J'ai dit, waouh. Là, si tu n'as pas fait les 21 plus 1 depuis Boissy, parce que c'est le pasteur principal, fais-les en différé. Prends un jour, chaque jour, prends les deux dernières semaines, dis amen. Amen. Prends les deux dernières semaines, prends les deux dernières. Prends un jour, enferme-toi dans ta chambre, prie avec ça, connecte-toi, bien-aimé. Tu vas rendre témoignage. Amen. Non, tu vas. Non. Je te dis, tu vas rendre témoignage. Il y a une dame qui m'a envoyé un message des États-Unis, depuis Washington. Elle me dit, je suis en train de faire le programme de 21 jours. Je suis au 15e jour. Mais pendant que vous parlez, les choses sont en train de sortir. Elle dit, les choses, je fais des rêves, mes yeux s'ouvrent. Bien-aimé, la parole n'est jamais obsolète. La parole, quand tu la reçois, la parole est vivante. Il y a eu toutes sortes de manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Ce n'était pas souvent d'ailleurs spectaculaire, mais c'était surnaturel. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher le spectaculaire. Tu vas te séduire. Il faut chercher le résultat. Dieu ne fait pas toujours de bruit. Un démon qui sort, ça ne fait pas toujours de bruit. Le plus important, c'est qu'il sorte. C'est trois clés mises ensemble.
C'est pour ça que là, cette semaine-là, j'ai dit à l'église, il y a des choses qui vont se manifester avant le 31 mars. Amen. J'ai dit, Seigneur, Dieu m'a parlé. Quand je coule comme ça dans l'onction prophétique, je n'invente pas, j'entends. Donc je dis ce qu'il dit. Il m'a dit, ça sera comme un rêve. Si tu veux le voir. Donc il faut écouter le message du dimanche dernier, du dimanche d'avant. Mais là, j'ai reçu la conviction. Toutes les semaines, jusqu'au 31 mars, il m'a dit de maintenir la pression. Donc on a lancé un programme qui s'appelle Upo Piazo. Upo Piazo, ce sont les coups de boxe. Quand tu donnes un coup à ton adversaire, mais qu'il est en train de tituber, mais il n'est pas encore tombé. Tant qu'il n'est pas tombé, continue d'assonner des coups, des supercuts. C'est ça, Upo Piazo. Donc là, en attendant, il y a trop de cas, il y a beaucoup de témoignages, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore témoigné, qui doivent témoigner. Il m'a dit, n'arrête pas, continue de donner un supercut. Donc, j'ai convoqué un programme spécial de 24 heures non-stop de prière toutes les semaines jusqu'à la fin du mois de mars, de jeudi 20h à vendredi 20h, 24 heures non-stop. Bien aimé, écoutez-moi, vous ne pouvez pas prendre l'Occitanie. Vous n'allez pas voir ce raz de marée de la main du Seigneur arracher dans vos vies tout ce que Dieu n'a pas planté. Vous n'allez pas la voir en priant 2 heures par semaine. Ça n'arrivera pas. C'est une illusion. Il va falloir que les gens soient suffisamment indignés pour dire, et tu ne peux pas combattre de ton côté, tu ne verras pas de résultat aussi. Il faut que ce soit maintenant fait par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, mais faites-le ensemble. Là, vous allez voir une dimension de visitation divine que vous n'avez jamais vue. Et quand il va atterrir, quand Dieu atterrit quelque part, quand il est atterri dans la chambre haute, qui lui a dit? Qui a dit aux habitants de Jérusalem que le Saint-Esprit avait atterri? Et ils ne sont pas sortis. Allez dire, oh là, Jésus est arrivé, le Saint. Non, non, non. Quand il atterrit, il fait du bruit. Il va faire du bruit ici. Il va faire du bruit dans cette église. Il va faire du bruit dans les églises. Il va faire du bruit en Occitanie. Et le monde entendra parler de la descente de Jésus de Nazareth par le Saint-Esprit. Incline la tête maintenant.